Écaler des œufs, couper du poulet, touiller une dernière fois la sauce. Chacun s'affaire à son poste, fier de relever une nouvelle fois le défi de préparer 250 barquettes de repas en une matinée. J'aime bien aider les gens. Et comme ça, on va leur donner, ça va être plus facile pour eux, ils vont pouvoir manger. Au menu, riz blanc à base de coco, poulet au coco, légèrement écrémé, accompagné de légumes. On a fait le menu en fonction de ce qu'on avait en réserve hein, pour pallier. Donc on a préparé en fonction, on a l'habitude de le faire hein, avec le collègue. Hein. Initialement prévu dans toute la France au mois de mars, cette année, la table des chefs se déroule ici à Mayotte en ce mois de mai, un décalage dû au ramadan. La particularité à Mayotte, ce ne sont pas des produits gaspillés que nous avons utilisé ce matin. Je pense que vous avez déjà vu ce qui a été fait par les élèves, les professeurs. Ce sont des entreprises mécènes. Ce sont des centaines de kilos de denrées que nous avons reçues. Des denrées qu'il faut désormais emballer avant qu'ils ne soient récupérés par les agents du Centre communal d'action sociale de Mamoudzou. Les élèves ne relâchent pas leurs efforts. Je suis chargée de mettre le riz dans le barquette et du poulet et la garniture. Et la légume. Demain mardi, les élèves auront une autre journée marathon à vivre. Ils auront à préparer 250 autres barquettes, des repas qui iront cette fois-ci à Kungu, dans des familles étant elles aussi dans le besoin.